Kimi Räikkönen s'est amusé lors de ses tests en NASCAR. Donc il pilotera le week-end prochain, pas ce week-end-là, à Watkins Glen. Hein. Alors son interview, j'ai rien à comparer, mais c'était une bonne chose de faire quelques tours, même si c'est pas exactement la voiture avec laquelle nous allons courir. C'était très bénéfique de simplement faire des tours et de s'amuser, et de savoir ce que la voiture fait en quelque sorte. J'ai pu faire des relais plus longs pour poursuivre la découverte, donc je suis sûr que ce sera plus facile de débuter les essais en course. Le projet 91 est la troisième voiture de Tracker Bros Racing qui engage Ross Chastain et Daniel Suarez, et qui a enregistré trois victoires cette saison jusqu'ici. Malgré ses bonnes conditions, Räikkönen ne pense pas pouvoir compter sur l'expérience de son roulage précédent en NASCAR il y a 10 ans. Évidemment, j'ai eu un peu d'expérience avec la voiture de Cup datant de 2011. Cette voiture est une nouvelle génération, elle est beaucoup plus agréable. C'est plus ou moins ce à quoi je m'attendais. J'avais essayé le simulateur, donc j'avais une idée et c'est correct. Évidemment, il lui arrive les mêmes choses qu'à une voiture normale. Donc quand les pneus chauffent, on glisse plus. Mais jusqu'ici, tout va bien. Peut-être une reconversion en NASCAR pour Kimi Räikkönen. Il a l'air de s'amuser en tout cas. J'ai hâte de voir la course de Watkins Glen donc dimanche prochain. Peut-être que je la diffuserai sur Twitch, enfin que l'audio, pas les images parce que sinon ça va être le strike. Mais je vais réfléchir à ça. Je vous laisse commenter, ciao.